je devais décrire en un mot les livres réunis dans l'abonnement Medium Max de cette année, je parlerai d'indépendance. En abordant tout d'abord La nuit est mon royaume, une bande dessinée dans laquelle Claire Fauvel amène par les images et les mots le passage à l'âge adulte de Nawel, une jeune fille cherchant dans l'élan de l'adolescence à s'émanciper de sa famille et de sa religion, grâce à son ami, ses rêves, Paul McCartney et son groupe de rock. L'indépendance est aussi présente dans Au nom de Catherine, où Julia Billet met en scène avec douceur et réalisme la vie d'une jeune fille originaire d'une famille juive, essayant de se faire un nom par elle-même dans la photographie du Paris de l'après-guerre. Dans L'âge des possibles, Marie Chartres raconte la prise d'indépendance de quatre jeunes qui vont se rencontrer à Chicago, Sol et Rachel, deux amis arrivant dans la ville pour faire leur homespringa, Temple, qui se sépare pour la première fois de sa famille et de sa ville si familière pour elle, et d'un garçon, à skateboard, Frédéric, dont la vie personnelle nous reste inconnue. Dans Les filles de Walilou, l'indépendance ici est celle de tout un peuple, vivant proche de notre monde mais à l'écart de notre civilisation, où les femmes dirigent tout. Au sein de cette société particulière, Cécile Roumiguière raconte l'adolescence de la jeune Alban, ses peurs, ses relations, ses conflits, et finalement, son émancipation. Dans Tenir debout dans la nuit, d'Éric Pessan, on suit l'errance d'une adolescente perdue dans New York, découvrant la ville la nuit, après s'être échappée de l'appartement de son ami, suite à une agression sexuelle. Balto, le valet de cœur, un roman policier racontant l'histoire d'un apprenti détective de 14 ans, vivant dans la zone, l'ancienne banlieue de Paris, dans les années 20. Aidé d'une jeune journaliste, il va tenter de sauver son frère, condamné à mort pour désertion. On a l'impression que son frère a tué des gens, mais en fait, c'est pas son frère qui les a tués. Mais en plus de ça, il y a des meurtres dans la ville et tout le monde croit que c'est son frère. Bon, allez, Dracula. On connaît le personnage, peut-être moins le texte original de Bram Stoker, qui est ici illustré par des peintures à l'huile de François Roca. Et pour finir, Bepocalypse. On est clairement sur un roman futuriste et fantastique pour adolescents avec des personnages qui évoluent, comme le titre indique, dans un monde post-apocalyptique. Toutes ces histoires sur l'émancipation ou l'initiation d'adolescents vous accompagneront et vous aideront à vivre la vôtre.